Viens tout de suite. Sophie ? Salut. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici ? T'avais encore 2 semaines de rééducation, non ? Je me sens très bien. Et que disent les médecins ? T'es pas content? Si, bien sûr, je suis content. Je suis très content. C'est le taxi. Je lui dois 120 euros. Oh, pourquoi tu m'as rien dit? Je serais passé te chercher. Tu sais où est Sophie? Elle est à un job d'été. Sophie, tu as des nouvelles de ta mère? Elle va bien? Elle va mieux, mais elle est encore en rééducation. Yeah. Voilà votre soda. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. C'est rien. Ça arrive. Voilà. Salut. Tu vas bien? Il faut que je retourne travailler. D'accord. Il ne faut pas faire du bruit, sinon ça va les énerver. Ils pourraient sauter par-dessus la clôture. Hé, salut. Oh, il doit bien faire dans les 500 kilos. On ferme. Excusez-moi, vous pouvez nous filmer, s'il vous plaît? Ce serait bien que les bisons soient dessus. Vous appuyez ici. Ok. D'accord. Viens, Yann, la dame va nous filmer. C'est parti. Allez, petit, fais-moi un grand sourire. Bien. Dis à ta maman de faire un beau sourire. Elle est très jolie. Voilà. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Salut. À demain. Salut.
Est-ce que Sophie est allée dormir chez ma mère pendant que j'étais pas là? Oui. Parfois. Ça te pose un problème? Vienne le réparer. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Madame Lorso, il faut que je vous parle. Vas-y, ma chérie. Tu vas être en retard. Oui. Est-ce qu'on se connaît? Oui, nous nous connaissons. Mon nom est Margarzata Kaminska. C'est au sujet de votre mari. Vous allez probablement me détester. Moi aussi, je vous ai détesté. Mais j'ai fini par vous pardonner. Le petit garçon que vous avez vu hier, mon fils, il s'appelle Yann. Mais dans 2 mois, il va avoir 9 ans. Votre mari est le père de Yann. Je me disais qu'on pourrait parler tranquillement, toutes les deux. Vous m'avez volé mon mari? Non! Un matin, j'ai tué mon mari et on m'a envoyé en prison. Rien de plus banal. Non, ça n'a rien de banal. Je ne vois pas de quoi on pourrait se parler. S'il vous plaît, donnez-moi 1 heure ou même 1 demi-heure. Il faut qu'on discute. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Des petits enfants meurent tous les jours à l'intérieur, ils peuvent pas se défendre. Faites pas semblant de pas entendre. Tu pourriras en enfer. Ces malades vous ont laissé passer? Oui. Le directeur a appelé la police. Ils vont arriver. Bien. Tout va bien, Sophie? Salut ta famille de ma part. D'accord. Bonjour, messieurs. Wow, on se calme. On se calme, mon ami. Brigadier. Bonjour. Vous l'avez déclaré? Ouais. Vous avez le document avec vous? Bien sûr. Est-ce que je peux le voir? Naturellement.
Je te rapporte les affaires que tu m'as prêtées. Je voulais te remercier d'être venue me voir à l'hôpital. Et de leur avoir fait la cuisine et tout le reste. Ça m'a fait plaisir. Mais maintenant, c'est plus nécessaire. Oui, bien sûr. Je vais reprendre le travail. À fond les manettes, je suppose. En effet. Il y a eu une fuite d'eau dans la salle de la photocopieuse et comme tu n'étais pas là, on s'est dit qu'on allait mettre tous les dossiers au sec ici. Alice, regarde qui est là. Salut. Salut. J'aimerais récupérer mon arme de service, bien sûr. Commissaire, nous ne vous attendions qu'en août, il me semble, non? Vous me manquiez tous, monsieur le procureur. Vous aussi. Vous nous avez beaucoup manqué. Oui, beaucoup. Heureusement que la fuite d'eau n'a pas eu lieu aux toilettes. Pardon? Ah oui, la fuite d'eau! Ah, c'est dingue! Ça arrive toujours quand il faut pas. Dépêchez-vous! Le commissaire Thiel a besoin de son bureau. Au travail. Monsieur le procureur. Oui, merci. On vient de recevoir le dossier d'un cas de disparition. Nos collègues de la police polonaise nous ont demandé notre aide. Une adolescente originaire de Schwinneuchten. Son petit ami est allemand, Christoph Dierwald, de la jardinerie Dierwald. Vous connaissez? Vaguement. Rien de grave, j'espère. Et si vous vous en chargez, ce serait une bonne remise en route, non? Ah, commissaire, très heureux que vous soyez de retour. Les parents de Jadwiga ont téléphoné ce matin. On est tous très inquiets pour elle. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où elle pourrait être? Non. Mon frère et moi, nous avons perdu nos parents il y a 5 ans. Il ne supportera pas de perdre une autre personne aussi proche. Tiens. Vous êtes Christophe? Je suis content que vous soyez là. Oui. Jadwiga et moi, on s'est rencontrés à une fête paroissiale. Je l'ai aidé à trouver du travail ici. J'avoue que j'ai un peu de mal à vous comprendre. Votre petite amie disparaît, vous allez à une manifestation. On a refait le chemin entre son travail et ici toute la matinée, mais en vain. On ne savait pas ce qu'on pouvait faire de plus. Je ne me voyais pas rester assis toute la journée à attendre. Je répétais un câble. En plus, on préparait la manif depuis 6 semaines. Jadwiga aussi? Oui. Elle devait donc aller à la manif avec vous? Oui. C'est quel genre de fille? Elle est réfléchie, très aimante. Avec elle, on peut parler de tout. De musique, de peinture, de la vie, et même de Dieu. J'ai vécu notre rencontre comme un miracle. Et aujourd'hui... Quoi aujourd'hui? Je suis terrifié à l'idée qu'il lui soit arrivé quelque chose. Thank you.
fuite est encore bouchée. C'est rien. Ça peut attendre. Tu ne veux pas me dire qui tu attends ce soir ? Je te dirai tout demain. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Tu veux bien appuyer sur l'interphone en partant ? D'accord. Merci. À plus tard alors. On est content que tu sois revenu. Merci. Votre jus de pomme. Votre soda. Asseyez-vous. Votre fils n'est pas là? Il est avec votre compagnon? Mon compagnon? Oui, l'homme qui était avec vous quand vous êtes venu voir les bisons. Monsieur Fischer est un ami très proche. Mon fils vit chez mes parents pour l'instant. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Depuis quand vivez-vous à Usedom? Il y a 2 ans, la clinique m'a offert un poste et je suis venue vivre ici. Vous êtes médecin? Je suis gynécologue du sucre. Merci. Et donc, vous essayez de me rencontrer depuis ma sortie de prison, si je comprends bien, n'est-ce pas? Je ne savais pas que vous travailliez avec les bisons, ça a été un hasard. Quand j'ai fait la connaissance de votre mari, je savais très bien qu'il était marié et ne me l'a pas caché. J'ai été tout de suite claire avec lui, je lui ai dit que je n'avais aucune envie de n'être que sa maîtresse. Et je suppose que ça l'a mis en colère? Nous nous aimions, Madame Lawson. On voulait vivre ensemble. Votre mari voulait que j'ouvre mon propre cabinet. Je voulais aider les femmes à donner naissance à des enfants en bonne santé. Au lieu de ça, je passe mes journées à faire des avortements et à me faire traiter de tous les noms et menacer à cause de ça. Au début, je me suis dit que je devais tenir quelques années pour que mon fils aille dans de bonnes écoles et que j'ai assez d'argent pour ouvrir mon propre cabinet. C'est pour ça que je suis ici? Pour l'argent? Non. Non. Yann est un petit garçon merveilleux. Il tient beaucoup de son père. Est-ce que vous croyez que vous pourriez me pardonner pour Yann, comme moi je vous ai pardonné? Oh non, voilà que vous recommencez avec vos histoires de pardon. Est-ce que vous ne pourriez pas... J'aimerais que Yann ait enfin une femme. Je croyais que vous m'aviez dit qu'il habitait chez ses grands-parents. Peut-être que votre fille ou votre petite-fille aimerait faire la connaissance de Yann? Non. N'essayez pas de faire partie de ma vie.
Je ne voulais pas en arriver là, mais je peux aller tout leur dire s'il le faut. Je vous interdis d'approcher ma famille, c'est clair? Vous croyez vraiment que je pourrais faire plus de dégâts? Lâchez-moi! Ce n'est rien. Pourquoi vous ne pouvez pas me pardonner? Pourquoi t'es nerveuse comme ça? Allez. Princesse, mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Allez, sois mignonne. Qu'il est arrivé quelque chose à Jadwiga? Je la connais pas encore très bien. C'est le genre de fille pas très sociable. Elle parle pas beaucoup aux clients, tu vois. Elle plaît aux garçons? Je te l'ai dit, c'est pas une grande bavarde. Et son copain? Le jardinier. C'est un drôle de type, son kiff à lui, c'est Jésus. Ils sont amoureux. Ouais, sans doute. En tout cas, c'est certainement pas avec lui que je sortirai. Pourquoi? Tous ces types contre l'avortement qui laissent les femmes subir cette épreuve toutes seules sont des porcs. Qui êtes aux cieux. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous faire une demande. Faites en sorte que Jadwiga se porte bien. Et surtout qu'il ne lui soit fait aucun mal. Seigneur, je vous en supplie. Je vous en supplie. Veillez sur elle.
façon, rentre. On ne prendra rien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu aboies comme ça? Tais-toi! Qu'est-ce que tu regardes? Bonjour. Bonjour. C'est ce monsieur qui l'a trouvé. Vous restez encore un peu, d'accord? Oui. Ça fait presque 10 heures qu'elle est là-haut. Ok, merci. Content de te revoir. Merci. C'est sa voiture. Cinquième étage. Ici, voiture 27, nous venons d'arriver sur place. Attendons les autres. Merci. De rien. Gosha a eu de la visite hier soir. Gosha? Malgorzata, mais moi je l'appelle toujours Gosha. Nous étions amis, des amis très proches. Nous nous sommes aimés. Et la personne qui venait? C'était une femme. Environ la cinquantaine, cheveux courts. Brune, il me semble. Je ne l'ai vue qu'à court instant. Où étiez-vous? Derrière ma porte. Votre amie ne vous a pas dit qui elle recevait? Non. Elle m'a juste dit que cette visite était très importante pour elle. Que plein de choses en dépendaient. Mmh. Vous regardez souvent par le judas de votre porte? J'étais mort de jalousie. Je croyais qu'elle recevait un homme. Mais cette femme... J'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Ascenseur en panne. Ne partez pas, d'accord? Homicide? Apparemment. Messieurs, veuillez nous laisser seuls, s'il vous plaît. On a une belle trace de sang. A-t-elle été laissée par la victime ou par son meurtrier? Nous n'en savons encore rien. Ça ne nous aide pas vraiment pour l'instant. À première vue, je dirais que le docteur Kaminska et son invité ont pris le thé tranquillement et que pour une raison ou une autre, une dispute a éclaté. Mm-hmm. L'invité a voulu s'en aller. Le docteur Kaminska l'a suivi jusqu'ici. Peut-être qu'elles en sont venues aux mains, je peux. Pardon? Oui. Et elle s'écrase là en bas. Laissez-moi passer, je dois dire quelque chose à la commissaire. Ça y est, maintenant, je me rappelle. La femme qui est venue ici hier, je sais où je l'ai vue. T'as été chez le docteur Kaminska hier? Non, pourquoi? Son voisin t'a vu un peu après 20h. Qu'est-ce qui se passe? Elle est morte. Ne me dis pas que c'est toi. Comme pour papa. Tu n'es pas sérieuse, j'espère.
commissaire. Je tiens à vous dire que... je ne suis pas content de la tournure que prend cette enquête. Il me semble donc évident que vous ne devez plus travailler sur l'affaire Kaminska. Votre famille va avoir besoin de vous rentrer chez vous. Le docteur Kaminska a demandé à me parler. Que voulait-elle ? Vous vous êtes disputé ? Une dispute, tout de suite, les grands mots. Je dis ça parce que... on a trouvé des traces d'agression physique dans l'appartement. Comment expliquez-vous ça ? Je n'y suis pour rien. Peut-être qu'elle s'est battue avec quelqu'un, j'en sais rien du tout. Combien de temps êtes-vous resté ? 10 minutes, peut-être un quart d'heure. C'est tout. Vous étiez sur place au moment des faits. Et vous aviez un mobile. Madame Le Sceau, pourquoi ne nous dites-vous pas ce que vous savez, que le docteur Kaminska était la maîtresse de votre mari ? Sophie, tu peux mettre le pain à table, s'il te plaît. Hier matin, il y avait une femme qui attendait grand-mère devant chez elle. C'était le docteur Kaminska. Cheveux blonds foncés, la trentaine. Jolie ? Ouais. Ouais, alors c'est elle. Elle se sent disputée ? J'en sais rien, je suis partie au boulot. Pour cette femme que grand-père voulait quitter grand-mère? Oui, c'est pour cette femme que ton grand-père a... Oh, ça recommence, je vais devenir dingue. Est-ce que ta mère a pris un avocat au moins? Bien sûr que non. Elle n'en a pas besoin, d'après elle. Le procureur pense vraiment que grand-mère a poussé cette femme par la fenêtre. Eh bien, disons que ses soupçons pèsent sur elle. Mais toi, t'y crois pas, hein? Tu peux pas laisser tomber grand-mère! Sophie, je peux rien faire pour elle. Elle a changé. C'est vrai, depuis qu'elle est sortie de prison, elle fait tout ce qu'elle peut pour retrouver une vie de famille normale. Ta grand-mère est accusée de meurtre. Ce que je ressens ou ce que je pense n'intéresse personne. T'as pas envie de l'aider. Sophie, ça suffit. Pour toi, c'est juste une meurtrière. Fous-lui la paix. Ma très chère petite fille, tu vas bientôt fêter tes 9 ans.
J'espère que ta maman t'a donné mes lettres. Mais es-tu encore trop petite pour comprendre pourquoi je ne suis plus là pour toi depuis 3 ans? Je viens d'avoir une visite, un papillon. Je l'ai laissé s'envoler et je lui ai dit de t'embrasser pour moi. Ta mère est peut-être impulsive, mais elle ne se serait pas disputée avec cette femme sans raison. Je ne la vois pas péter les plombs une nouvelle fois. Je sais plus du tout ce que je dois croire. C'est toujours quand tu crois que ça ne pourrait pas aller plus mal, que la vie te renvoie un truc encore plus horrible dans la figure. De peur que tu reprennes ton souffle. Tu es sûre que tu ne préférerais pas te mettre en arrêt maladie quelque temps ? Je deviendrai dingue. Les garçons ? €25 000 dans 3 jours. Qui a touché la lettre ? Ma sœur et moi. Où est l'enveloppe ? Votre jardinerie marche bien ? Oui. Mais rien d'extraordinaire. On a dû licencier 2 personnes en janvier. Jadwiga venait souvent ici ? Oui, bien sûr. Il lui arrivait de nous donner un coup de main. Elle avait des contacts avec les employés ? Pas que je sache, non. On s'est souvent imaginé en train de faire tourner la jardinerie à 3. En famille. Mes parents ont toujours voulu des petits-enfants. Il me faudrait la liste de vos employés. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Très bien. Madame Lousseau, vous étiez sur le lieu du crime au moment des faits. La victime se trouvait être la maîtresse de votre mari. À ma place, que feriez-vous ? Je crois que je demanderai d'abord au suspect s'il n'a rien à dire. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est à vous. Saviez-vous qu'il existe 12 de suspects potentiels autres que moi ? Monsieur le procureur ? Jamais entendu parler. Il se trouve que le docteur Kaminska était gynécologue à la clinique d'Usdom, monsieur le juge. Oui, j'étais au courant. Le jour où elle a été tuée,
Des opposants à l'avortement ont organisé le blocage de l'entrée de la clinique. Et le docteur Kaminska s'est fait insulter et sa voiture vandalisée. Ah ah ! J'en entends parler pour la première fois. Moi aussi. Ce n'est pas ma faute si vous ne vous informez pas. Des sacs remplis de peinture ont été lancés sur sa voiture. Était-elle à l'intérieur ? Oui. Et vous savez de quoi ces gens sont capables, monsieur le juge. Nous voici donc probablement en présence d'une liste supplémentaire de suspects, n'est-ce pas ? Probablement. Bien. Madame Losso, vous étiez sur les lieux du crime. Vous aviez un mobile. Et vous nous avez déjà prouvé que vous étiez capable de tuer. D'un autre côté, il existe d'autres suspects qui n'ont pas encore été pris en compte. À la lumière de ces nouveaux faits, voilà ce que j'ai décidé. Je lève le mandat d'arrêt contre vous. À condition que vous vous engagiez à ne pas quitter la région et que vous restiez à la disposition de la justice. J'ajoute que cela n'annule en aucun cas votre liberté conditionnelle. Ce n'est pas... Je vous rappelle que le maintien de la liberté conditionnelle s'applique sous certaines conditions. Vous devez nous remettre votre passeport, vous devez vous présenter tous les deux jours à votre poste de police, et vous ne quittez pas le pays, bien sûr. Vous m'avez compris? Très bien, oui. Bien. Je vais malgré tout déposer un recours contre mon arrestation, que je trouve abusive. Et moi, contre la liberté conditionnelle de Madame Losso. Vous en avez tout à fait le droit. Oh, monsieur Brunner. La prochaine fois, veillez à faire votre travail. Merci beaucoup. Madame, écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai une fille, moi aussi. Je comprends ce que vous pouvez ressentir. Vous êtes ? Tomaszewski. L'officier Tomaszewski et moi allons tout mettre en œuvre pour retrouver Jadwiga. Je vous le promets. Je vous le promets. Merci. Une affaire plus difficile qu'il n'y paraît. Merci pour toute la collaboration que vous nous apportez. C'est tout à fait normal. Au fait, que devient Marek Vosniak ? Je n'ai pas de nouvelles. J'ai entendu dire qu'il s'est fait muter. Tiens, c'est la liste des appels. Mm-hmm. Au revoir. Bonjour. Ah, commissaire ? Ça, c'est une surprise. Vous êtes aussi en pause déjeuner ?
La brise marine est très connue pour ses bienfaits, n'est-ce pas? Moi, en tout cas, ça me fait beaucoup de bien. Ça me requinque et ça active mes petites cellules grises. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, j'avais besoin de prendre un peu l'air. Mon ancienne chef, la mère de ma meilleure enquêtrice, a été mise en garde à vue par mes soins. S'il vous plaît, ce n'est pas facile pour moi de vous le demander, mais... Oui? Commissaire? Oui? On a vérifié la liste des appels que Jadwiga Green a passé avec son portable. Les deux semaines précédant sa disparition, on a relevé qu'elle a téléphoné plusieurs fois à la clinique 12 d'hommes, mais on ne sait pas pourquoi. Oui, c'est Jadwiga Green, une de nos patientes. Comment ça? Elle voulait subir une interruption volontaire de grossesse? Désolée, mais je ne peux rien vous dire. Elle est venue quand pour la dernière fois? Mercredi. Peu de temps avant sa disparition. Avec qui? Elle était seule. Je souhaiterais voir son dossier médical. Je ne peux pas vous le donner comme ça. Je vais demander au directeur. Alors, ton portable? Merci. Un autographe et c'est bon. Merci. Salut. Salut. Salut! Bonjour, ma chérie. Bonjour, Karine. Bonjour. Maman a pas pu venir. Elle bosse sur la disparition de cette fille. C'est pas grave. J'ai besoin de prendre une bonne douche. Allez, viens à la maison. On est une famille. Ça ira. Il faut que tu saches. J'ai la mort de ton grand-père sur la conscience. Mais pas celle de sa maîtresse. Même si tout le monde semble le penser. D'accord. Commissaire Thiel, il y a du nouveau? Non, je suis désolée. Je suis pas là pour le docteur Kaminska, mais pour cette jeune fille. C'est la jeune Polonaise qui a disparu? Comment le savez-vous? Tout se sait à Usedom. Et sa photo était dans le journal. Jadwiga Green était la patiente du docteur Kaminska? Oui. Il se pourrait que le docteur Kaminska soit la dernière personne à avoir vu Jadwiga avant qu'elle ne disparaisse. Elle lui a fait une ordonnance. Je vais regarder. Merci. Allez, petit, fais-moi un grand sourire. Dis à ta maman de faire un beau sourire, elle est très jolie.
En effet, elle a déposé une ordonnance chez nous. Elle a payé en liquide, 50 euros. À quelle heure ? 19h45. C'est bizarre que je ne me souvienne pas d'elle. Ouais, Yadviga est pourtant très jolie. Écoutez, on a plus de 200 clients par jour. Alors qu'elle soit jolie ou pas, il se peut que je n'y ai pas fait attention. Est-ce que ça va ? Ouais, tout va très bien. C'est si grave que ça. Ça va aller. J'ai du mal à te saisir. Julia, tu as fait 2 mois d'hôpital, c'est pas rien. Toute personne normale dans ta situation Pardon, aurait... Pardon, mais qu'est-ce que tu sais de ma situation ? Écoute, j'en sais assez pour me demander pourquoi tu as tellement envie de faire ce boulot de merde au lieu de te reposer et de profiter de Stéphane et de Sophie. Une jeune fille a disparu. Arrête, c'est pas pour ça que tu as repris le travail. Tout va bien à la maison, t'en es sûre ? Tu pourrais pas juste me laisser tranquille. Faut que j'y aille. Salut. Elle est sympa ? Oui, elle est très sympa. J'adore ça. Que vous étiez en prison. Vous savez, Monsieur Fischer, j'ai travaillé comme procureur il y a quelques années et j'avais souvent affaire à des histoires de meurtre à l'époque. Qu'est-ce que vous me voulez ? Doucement. Et... le plus souvent, l'assassin se trouvait être un proche de la victime. Vous en savez quelque chose ? Son amoureux ? Son conjoint, son amant. Son amant délaissé. Écoutez, Madame Kaminska et moi vivions une relation très belle et très profonde. Et si vous continuez à me harceler, j'appelle la police, c'est clair ? On a réuni l'argent. Bien, on attend que le ravisseur appelle. Christophe, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que Jadwiga était enceinte ? Pardon ? Oui, de 10 semaines. C'est pas vrai. Elle m'en aurait parlé. Comment le savez-vous ? Elle a pris rendez-vous à la clinique pour subir un avortement. Un avortement ? Vous savez ce que je pense de l'avortement ?
Jadwiga veut des enfants. Mais peut-être pas maintenant, à 18 ans. Et peut-être pas avec vous. Ça doit être difficile à entendre. Mais ça a dû être difficile pour elle aussi de prendre cette décision. Et les antidépresseurs, c'est pour ça. Quoi ? Peut-être qu'elle n'a tout simplement pas envie qu'on la retrouve. Alors pourquoi quelqu'un réclame 25 000 euros pour la libérer, hein ? Il s'agit peut-être d'un opportuniste qui veut juste profiter de sa disparition. Vous inventez cette histoire d'opportuniste fantôme parce que vous êtes incapable de la retrouver. Un fou furieux a enlevé ma petite amie et vous, vous ne faites rien ! Christophe ! Bon, on reprend toute l'affaire depuis le début. Jadwiga Green tombe enceinte, mais elle ne veut pas garder l'enfant. Et le père de l'enfant... Vous avez quelque chose. ...qui n'est même pas au courant qu'elle est enceinte, est un des organisateurs de la manifestation anti-avortement qui a eu lieu juste après sa disparition. De vrais fanatiques. Vous avez un truc... Quoi ? Ici. Je me suis fait ça ce matin. Quand on s'est... Sa petite amie est enceinte de 10 semaines et il ne remarque rien. Admettons qu'il mente. Il sait que Jadwiga est enceinte et qu'elle ne veut pas garder le bébé. Ils se disputent et ils en viennent Thomas. C'est un tableau bien sombre que vous me peignez là. Que fait un croyant farouche défenseur de la vie âgé de 19 ans quand il a deux morts sur la conscience, celle de sa petite amie et celle de son enfant qui n'a pas eu le temps de naître? Eh bien, la culpabilité isole. Mais il finit par se confier à quelqu'un, un des manifestants, un pasteur. C'est possible. Oui. Holm est allé déjeuner. D'accord. Dirvald est en colère et faire tomber la faute de cette tragédie sur le docteur Kaminska. C'est à cause d'elle que Jadwiga voulait avorter. Il trouve où elle habite et la punit. Je ne vous suivrai pas sur ce chemin-là tant que vous ne m'apporterez pas... C'est une hypothèse tout à fait plausible. Nous ne savons même pas si Dirvald est impliqué d'une manière ou d'une autre dans la disparition de sa petite amie et vous êtes déjà en train de lui mettre la mort de la gynécologue sur le dos. Je comprends que vous fassiez tout pour que votre mère ne soit plus l'unique suspecte dans cette affaire, mais... J'ai besoin de la liste d'appels de Christophe Dirvald ces 3 derniers jours. Vous ne lâchez jamais. Vous avez besoin d'une commission rogatoire. Oui, et vous savez que généralement, c'est le procureur qui doit en faire la demande. Commissaire, apportez-moi du concret et nous pourrons en reparler. J'allais oublier. Nous avons, comme il se doit, informé les parents du docteur Kaminska de la mort de leur fille. Vous savez qu'elle avait un fils de 9 ans, n'est-ce pas ? Il vit chez ses grands-parents. Oui, et alors ? Et alors, ce petit garçon est le fils de votre père ? Quoi ? Jan Kaminski. Ah, je vois. Vous n'êtes pas au courant que cet enfant est le fils de votre père. C'est étrange. Je me demande pourquoi votre mère vous l'a caché. Quelque chose ? Merci. Allez, parlez-vous. Cet enfant, il est quoi pour moi ? Mon grand-neveu ou bien mon demi-cousin ? Non, Sophie, c'est ton oncle. Donc je me retrouve avec un oncle qui a la moitié de mon âge ? Oui, et ta mère se retrouve avec un frère qui a 30 ans de moins qu'elle. Et qui est orphelin. Karine, cet enfant, est-ce qu'il ressemble à Jürgen ? Est-ce qu'il pourrait être son père ? C'est vrai. Comment peut-on être sûr que cette femme disait la vérité ? Quand avais-tu l'intention de nous le dire ? Quand ce serait le moment. Quand ce serait le moment ? Oui.
Un jour, une certaine Malgorzata Kaminska débarque dans ma vie. Elle veut que tout le monde s'aime et que son petit garçon rencontre ma famille. Karine. Et à peine 24 heures après, on la tue. Et bien sûr, tout le monde pense que j'ai encore pété les plombs. Ça me va droit au cœur. Je vous prie de m'excuser, de faire tout ce que je peux pour me sortir la tête de l'eau. Je me sens super mal. Si seulement j'étais aussi insensible que ma mère. Quelle sorte de papillon c'était ? Quel papillon ? Maman m'a donné tes lettres de la prison. Dans une des lettres, tu parles d'un papillon que t'as laissé s'envoler. C'était un amiral. Un jour, tu m'as dit que t'avais survécu à ces 8 années de prison en aidant simplement les autres. Ouais. C'est la vérité. Peut-être que le docteur Kaminska avait besoin d'aide, elle aussi. Oui, peut-être. Je n'ai pas pu lui pardonner. Alors tu peux comprendre ce qu'on a pu ressentir envers toi. J'ai pensé à son meurtre. Ouais. Et je me suis dit que ça pouvait être un de ces fanatiques contre l'avortement. Cette idée m'a aussi traversé l'esprit. J'espère que la police y a pensé, elle aussi. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu qu'aux États-Unis, ces malades mentaux allaient jusqu'à tuer les médecins. Et le petit ami d'Yadviga, celui qui aime Dieu, où est-ce qu'il était ce soir-là ? C'est une bonne question. Monsieur Dirwald ? Monsieur Dirwald ? Y a quelqu'un ?
Voici une copie de la demande de rançon et les modalités de l'échange. Eh les gars, vous écoutez? Selon la commissaire Till, c'est une vraie demande de rançon, mais ça peut être aussi un petit malin qui veut profiter. Quant à l'endroit où Yadviga Green pourrait se trouver, on a une idée? On a plusieurs pistes, mais rien de précis. On ne sait malheureusement pas de quel côté de la frontière elle se trouve. Nos criminologues en sauront plus dans 2 jours. Mais nous ne pouvons pas attendre aussi longtemps. Allez, au travail! Julia. On l'emmène à l'hôpital de Schwinacht. Trafic sur le pont. Ouais, il y a eu un accident. Je savais pas. Oui. Est-ce que par hasard un de tes gars pourrait me conduire au commissariat? Je dois pointer aujourd'hui. Et ta liberté conditionnelle? Merci. Hé hey. À toutes. Neumann. Madame Lusseau. Contente de vous voir.
sera la voiture 20. Attendez les collègues avant d'agir. C'est pour Christophe que je l'ai fait. Vous me dites que c'est votre frère qui vous a demandé d'enlever Jadwiga ? Non, Christophe n'était pas au courant. C'était mon plan. Sans ça, elle n'aurait pas gardé le bébé. Je vais avec Jadwiga. Allez, on y va. Bien. C'est tous les deux jours. On se voit après-demain, alors ? Monsieur le procureur. Madame Le Sceau, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il se trouve que ma plainte contre votre liberté conditionnelle a été acceptée. Vous n'êtes pas sérieux? Je suis très sérieux, au contraire. Brigadier, s'il vous plaît, veuillez placer Madame Le Sceau en détention. Une petite minute. Vous vous fichez de moi? Allez, Brendel, je n'avais même pas eu besoin de porter plainte. Vous n'avez pas respecté une des obligations de votre liberté conditionnelle en franchissant la frontière avec la Pologne. Je veux parler à ma fille. Votre fille ne peut absolument rien faire pour vous. Non, mais c'est pas vrai! C'est pas le service des affaires familiales, ici! C'est bon, Brendel, mettez-la en détention. Christophe a toujours cru que ça marchait bien entre lui et Jadwiga. Elle lui a pourtant caché sa grossesse. Et qu'elle voulait subir un avortement. Comment avez-vous su que Jadwiga était enceinte? Il y a 2 semaines, je suis allée livrer des fleurs à la clinique. Jadwiga était en gynéco. Elle était en grande discussion avec une docteure. Tout le monde sait bien que les Polonaises passent la frontière pour venir avorter. Je ne suis pas du tout croyante. Ça m'est égal. Mais pas pour mon frère. Christophe a toujours rêvé de fonder une famille. Quel était votre plan ? Dans les détails. Elle était enceinte de 10 semaines. Dans 3 semaines, elle n'aurait plus le droit d'avorter. C'est la loi qui le dit. Vous vouliez la garder aussi longtemps? Oh, Yasmine, vous êtes malade. Quand nos parents sont morts, je me suis promis de veiller sur mon frère. Quoi qu'il arrive, je serai là pour lui. Moi, je ne compte pas, c'est mon frère. C'est lui qui est important. Et notre bébé. Jadwiga a fait une fausse couche cette nuit. Les médecins disent que c'est à cause du stress. On peut s'estimer heureux que rien de plus grave ne soit arrivé. Je ne voulais pas d'enfant. Pas tout de suite. Et pas avec Christophe. Comment avez-vous fait pour trouver où j'étais? Il y a eu une demande de rançon. Mais c'était qu'une manœuvre de diversion. C'est Yasmine qui l'avait écrite. Au départ, on espérait que tu aies juste fait une fugue. Dans ton dossier médical, il est noté que tu prends des antidépresseurs.
Les personnes dépressives ont parfois tendance à vouloir fuir leurs problèmes. Je ne suis pas en dépression. Il est noté que tu prends des antidépresseurs. Je ne suis pas dépressive. Encore moins avant d'être enceinte. Je suis juste super triste. Ouais. Tu as toutes les raisons d'être triste. Comment peut-on assassiner son propre enfant? Où est ta conscience? Dieu voit tout. Arrêtez, ça suffit. Le docteur Kaminska ne t'a donc jamais prescrit d'antidépresseur? Non. Ma chérie, on s'est fait tellement de soucis pour toi. Est-ce que tout va bien? J'ai besoin de toi, suis-moi. Alors aujourd'hui, pas de pause déjeuner. Alice, t'es là? Brent, va chercher des pizzas, c'est moi qui offre. Au salami. Il semblerait que le docteur Kaminska ait prescrit des antidépresseurs à plusieurs patientes sans que celles-ci soient au courant. Nos collègues de Schwinaustadt sont en train de le vérifier auprès de ces patientes polonaises. Commissaire, pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? En quoi est-ce important pour l'enquête que le docteur Kaminska ait prescrit des antidépresseurs à ses patientes ou pas? Et Monsieur... pourquoi travaillez-vous sur une affaire qui vous a été retirée? La liste. Super. Commencez par là. Ces patientes n'étaient pas au courant. Ce qui veut dire que le docteur Kaminska prenait elle-même ses médicaments. Elle était dépressive? Oui, apparemment. J'ai demandé une analyse sanguine au laboratoire. Brigadier Brendel à l'appareil. Bonjour, police des Rinsdorf, officier Kaminska. Je voudrais parler à madame... Vous avez-elle déjà prescrit les antidépresseurs, par hasard? Ah non, jamais? Ah, elle est sortie? Ok. Le voisin du docteur Kaminska, vous savez, le pharmacien. Fischer. Fischer, c'est ça. D'après son témoignage, ils étaient très proches tous les deux. Comment a-t-il fait pour ne pas remarquer que son ami allait mal? Bonne question. Il prétend aussi que Jadwiga est passée dans sa pharmacie prendre les médicaments qu'on lui avait prescrits. Et c'est faux? Ouais. C'est pour ça que j'aimerais qu'il nous rende une petite visite. Il doit avoir plein de choses à nous dire. Gosha voulait mettre au monde des enfants. Elle voulait pas pratiquer d'avortement. Elle pensait tenir 2-3 ans pour que son fils aille dans une bonne école. Et puis un jour... il est tombé dans un trou noir sans fond. Et au lieu de suivre une thérapie, elle a pris des antidépresseurs. Oui. Et vous la fournissiez. C'était très confortable pour elle. Elle ne devait même pas venir à la pharmacie. Elle se contentait de noter le nom des patientes, je lui donnais les antidépresseurs et puis j'encaissais son argent. Vous avez donc approvisionné votre ami en antidépresseurs sur le dos de ses patientes sans rien dire. Ce n'est pas la seule chose que j'ai faite pour elle, croyez-moi. J'étais toujours là pour elle. Jour et nuit. Et le soir où votre ami est tombé de la fenêtre de son appartement, que s'est-il vraiment passé? Que voulez-vous qu'il se soit vraiment passé? Gosha a sauté, elle est morte. Gosha? Thank you.
J'ai toujours pensé que je comptais un peu pour Gosha. Mais apparemment, je me suis fait des idées. Je n'étais que son dealer. Son chauffeur, son homme à tout faire quand il y avait des petites réparations à faire. Je n'étais pas son héros, ni son sauveur. Je crois que Madame Losso aurait pu l'aider. Et vous dites ça pour quelle raison? Leur rencontre comptait énormément pour elle. Et si elle s'était bien passée, elle ne se serait pas donné la mort. C'est parce que cette rencontre s'est mal passée que vous avez préféré nous cacher que votre amie s'était suicidée? Votre mère méritait de retourner en prison. Commissaire, vous n'allez certainement pas me croire, mais je suis aussi soulagé que vous. C'est vrai. Je ne vous crois pas. Du tout. Vous voulez annoncer la bonne nouvelle à ma mère? Je vous l'ai dit, les affaires familiales, c'est pas mon truc. Apparemment, elle parlait souvent de se suicider. Malgré son enfant, c'est comme ça, la dépression. Un jour, elle croise mon chemin et elle sent l'espoir renaître en elle. Elle voulait juste que je l'aide. C'est pas ta faute. Mais qu'est-ce qu'une faute ?